Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être revenus nombreux ce matin. Donc, avec ma collègue Carole Grandjean, qui est députée de Meurthe-et-Moselle, nous avons été nommés par le Premier ministre le 28 mai dernier pour une mission sur la fraude aux prestations sociales. C'est la fin d'un tabou, il faut quand même le dire, puisque c'est vraiment une mission qui comporte à la fois une évaluation financière que vous n'aurez pas aujourd'hui, je vous le dis tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus, qui comporte un spectre très important, qui comporte aussi l'intégration des régulations nouvelles comme le droit à l'erreur. Et avec ma collègue Carole Grandjean, nous n'avons pas visé du tout la fraude de survie. C'est pas notre sujet. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce n'est pas la fraude sociale qui est atteinte à notre vie en société. Les deux fraudes portent atteinte aux contribuables et aux finances publiques. Et les deux fraudes sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la fraude sociale qu'on ne s'intéresse pas ou qu'on ne s'est pas intéressé ou qu'on ne s'intéressera pas à la fraude fiscale. D'autant que la fraude aux prestations percute à un moment assez rapidement la fraude aux cotisations, et que là, on a encore des dispositifs à améliorer. Donc, nous avons jusqu'à aujourd'hui plus de 80 ou 90 auditions, dont les procès-verbaux seront au compte-rendu définitif. Et nous avons aussi tenu compte, avec notamment la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et les associations, de la très grande précarité qu'il y a aujourd'hui en France. Et donc, tous ces éléments ont été pris en considération. La fraude sociale n'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude de réseau organisé. Notre système n'a pas été conçu pour des populations qui étaient très mouvantes, mais plutôt pour un système qui était plutôt immobile. Et puis, et je laisserai la parole à Carole Grandjean, chaque fois que le législateur, nous, créons des dispositifs pour alléger soit la création d'entreprises, soit les dispositifs, comme par exemple la dématérialisation. Chaque fois que nous créons des dispositifs pour rendre les choses plus simples, par exemple pour les entreprises, on crée immédiatement et sans le vouloir la fraude qui va bien avec. Et donc notre système est arrivé, je crois, à un point extrêmement difficile d'équilibre, surtout avec les nouvelles technologies, et on parlera évidemment dans un moment d'une série de fraudes qui font appel précisément à la haute technologie et auxquelles il va falloir évidemment répondre. Bonjour à toutes et tous. Merci Nathalie pour cette introduction. Donc, ce qu'on souhaitait véritablement faire aujourd'hui, c'est un point d'étape qui me paraît être éminemment important à ce stade, puisque, comme Nathalie vous l'a dit, on a largement avancé dans les auditions aujourd'hui. On a donc une vision qui est assez globale et pour laquelle on va commencer à faire un certain nombre de propositions. Donc, l'objet du courrier qu'on a adressé hier au Premier ministre avec un ensemble de propositions qu'on lui a joint, qui vont nous permettre d'entamer des discussions avec le gouvernement, bien sûr, en projection finalement des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Les propositions qu'on fera aujourd'hui ne sont bien sûr pas exhaustives, on en est encore une fois qu'au point d'étape, on en est néanmoins à une volonté de commencer à mettre dans le débat public et dans le débat avec le gouvernement un certain nombre de pistes qui sont les nôtres, qui nous paraissent importantes, marquantes, devant prendre le pas d'un virage pour pouvoir effectivement accompagner au mieux les politiques publiques qui sont les nôtres. Rappelons l'enjeu. 450 milliards d'euros de prestations sociales versées en France. Donc évidemment, l'enjeu est énorme. Quand on les met en perspective avec certaines études européennes telles que faites par l'Université de Portsmouth qui estiment entre 3 et 10% dans les pays européens la fraude, évidemment,
l'enjeu financier, sans qu'on aille beaucoup plus loin ce jour dans le chiffrage, il est énorme. Donc, fort effectivement ce constat-là, fort des auditions qu'on a pu faire, on a souhaité faire avancer le débat public dès aujourd'hui pour entamer finalement un premier jet de discussion avec le gouvernement en vue des projets de loi. Je crois que ce qu'il faut véritablement avoir à l'idée, c'est qu'effectivement notre modèle est très lié finalement à un empilement de mesures, hein, et Nathalie disait tout à l'heure, à des modes de vie qui ne prenaient pas bien en compte la mobilité géographique, les mouvements de population, les nouveaux parcours de carrière, puisque aujourd'hui, effectivement, les carrières sont beaucoup plus dynamiques, et il nous faut pouvoir intégrer également les nouvelles formes, les nouveaux statuts qui existent dans la société, sans évidemment chercher à réduire cette évolution sociétale qui n'est pas pour nous le propos. Il y a des enjeux très forts autour du data mining qui sont aujourd'hui grandement propriété des organismes sociaux et qui ont effectivement du mal encore à mettre en place l'interconnexion. Donc, fort de ces enjeux autour des fraudes, fort de cette réalité sociétale, nous souhaitons effectivement faire avancer le débat public et les échanges que nous aurons avec le Premier ministre, le ministre de l'Action des Comptes Publics et la ministre de la Santé et des Solidarités. Donc, vous avez un dossier qui vous a été remis, vous avez pris à l'entrée. Et donc, on va égrener quelques dispositifs. Et puis, si vous avez des questions un peu plus tard, on pourra les poser. La première urgence, de notre point de vue, je dois aussi dire que ce rapport est contradictoire. Carole Grandjean fait partie du groupe de La République En Marche, chez moi-même à l'UDI. Et nous n'avons pas de discordance, ni sur la méthode, ni jusqu'à maintenant sur les conclusions à tirer et sur la gravité de la situation. Donc vous allez avoir ici un premier constat qui est un constat contradictoire, mais un constat d'accord. Ce qui est aussi très important par rapport à des gens qui font un rapport tout seul, etc. Bon, et puis il y aura évidemment les auditions sont publiées. Donc la première urgence, il y a eu un grand débat l'année dernière sur la fraude de personnes qui étaient inscrites. Français nés à l'étranger, des étrangers qui étaient en France, le débat qu'on va avoir aujourd'hui dépasse largement ce sujet. Pourquoi ? Parce que nos registres, et notamment le répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP, comporte des données qui sont moins curieuses. D'abord, 110 millions de personnes sont inscrites au RNIPP. À 110 millions de personnes en France, on le saurait. Vous êtes inscrit au RNIPP, ça veut dire que vous êtes enregistré dans une base de données et que, virtuellement, vous avez aussi accès aux soins, aux prestations. 89 millions sont des gens qui sont nés en France ou à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. 21,1 millions sont des gens qui sont nés à l'étranger, français ou étrangers. 21,1 millions. Et puis, il y a une espèce d'OVNI dont on se demande ce que c'est. Vous avez 11 000 personnes enregistrées sans nom patronymique. Ça, c'est formidable. Il n'y a pas de nom patronymique. C'est pas très bien, si c'est Monsieur Pop ou autre chose. Mais enfin, tout le monde a jusque-là le sentiment que tout va bien. Il y a 11 000 personnes qui n'ont pas de nom et qui sont dans nos fichiers. Donc on va évidemment faire des demandes pour savoir si elles perçoivent des prestations, etc. Enfin, des noms sans nom patronymique aujourd'hui, c'est quand même un tout petit peu curieux. Donc, sur ce chiffre, qui est quand même très important, nos organismes nous ont dit de la façon la plus officielle possible que le nombre de personnes de plus de 100 ans était de 14,7 millions. Moi, je veux bien comprendre, mais je voudrais qu'on m'explique. 12,2 millions sont des Français, donc recensés par l'INSEE,
et 2,5 millions relèvent du champ de la CNAR, c'est-à-dire le Sandia dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des Français nés à l'étranger ou des étrangers en France. En France ou à l'étranger, en tous les cas, des gens qui sont dans nos fichiers. 14,7 millions de centenaires, le microclimat français est quand même extrêmement favorable à la longévité. Mais ce n'est pas tout, parce que 1,5 million de ces centenaires sont réputés en vie, et donc français, et 1,6 million d'étrangers nés, de français nés à l'étranger ou d'étrangers, sont réputés en vie. Donc sur ces 14,7 millions, vous avez 3,1 millions réputés en vie. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme être enceinte. On est enceinte, on n'est pas enceinte, on est vivant, on est mort. On n'est pas réputé en vie, on est réputé mort. Je veux dire, il y a un problème. Et là, accordez-moi le bénéfice du doute. Je crois qu'on va quand même falloir qu'on règle cette histoire de façon sérieuse, raisonnable, démocratique et transparente. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons un audit extérieur, à la fois de l'INSEE, puisque l'INSEE est garant d'une partie de ces données, mais à la fois du RNUPP, qui est donc ce répertoire, et puis auquel s'ajoute le système national de gestion des identités, qui est un autre fichier qui a montré un certain nombre de failles, notamment qui ne prend pas en compte des décès non certifiés. Donc, il y a des problèmes de cohérence dans nos fichiers, il y a des problèmes de données, et ces questions-là, il faut les régler. Ça ne veut pas dire que les gens réputés morts, ou réputés vivants, ou réputés fantômes, ou réputés sans nom patronymique, perçoivent des prestations, mais vous m'accorderez qu'il faut qu'on fasse la lumière sur ces chiffres, qui ne sont quand même pas acceptables à l'heure du data mining, de la haute technologie et du reste. On doit pouvoir savoir si les gens sont réputés morts, ou s'ils sont vraiment morts, ou s'ils sont réputés vivants, ou s'ils sont vivants. Reconnaissez avec moi qu'une fois qu'on a parlé de ça, on a quand même réglé un certain nombre de problèmes. Donc ensuite, dans le même état d'esprit, on doit sécuriser les actes d'état civil. Pas seulement pour les questions de fraude documentaire qui sont très importantes et qui font l'objet d'un développement extrêmement long dans le rapport définitif, mais aussi parce qu'il faut savoir que nos mairies, en France notamment, n'ont pas une norme unique pour les actes de naissance, ni les actes de décès, d'ailleurs, pour mettre n'importe quel logo, n'importe quelle encre, sur n'importe quelle imprimante, etc. Donc on a un problème de sécurisation des données, et puis on a aussi lié à la première difficulté dont on vous a parlé à l'instant, une urgente nécessité d'instaurer ce qu'on appelle une preuve de vie. Alors, sur ce sujet, il y a quelques années, nous avons voté ici une loi qui s'appelle la loi Eckert, notamment pour les banques et les compagnies d'assurance qui, chaque année, doivent vérifier que leurs clients sont vivants. Et nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de travailler, alors, on a évidemment les dispositifs techniques, on les a cherchés, on les a trouvés, on a arrangé les amendements qui vont bien pour la suite, mais en fait, il faut appliquer le même principe que la loi Eckert à nos caisses de sécurité sociale, de façon à ce qu'on puisse savoir, de façon un peu plus transparente, si les gens sont morts ou vivants, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le système, s'ils perçoivent des prestations et s'ils sont morts, alors on a beaucoup développé l'affaire de Jeanne Calment, où c'était peut-être finalement sa fille qui était toujours vivante, et peut-être pas elle, etc., etc., mais c'est pas du tout anecdotique. Dans ce que je viens de vous expliquer, c'est loin d'être anecdotique. Donc, ce principe de preuve de vie, l'interdiction, évidemment, des inscriptions sans nom patronymique, ça va de soi, vous l'avez compris. Garantir aussi les questions de résidence, puisque vous avez, par exemple, la CNAV va, par exemple, accepter comme résidence une résidence secondaire qui soit par exemple Sud, en Bretagne ou n'importe où. Les autres caisses vont considérer comme résidence Paris ou la région parisienne. Les deux caisses ne vont pas communiquer les adresses, et donc, évidemment, pour la fraude, c'est majeur, puisque vous avez beaucoup d'allocations qui sont liées à la résidence. Donc, pour certaines caisses, des gens sont en couple, et puis quand ça les arrange pour d'autres, elles seront avec des résidences séparées. Donc, vous voyez, ça n'a pas l'air très sérieux pris un par un. Les observations que je suis en train de vous donner, ça a l'air d'être anecdotique. Mais quand vous les ajoutez les unes aux autres, c'est-à-dire les preuves de vie, les questions de résidence, les questions d'identité, etc., ça finit par faire
beaucoup de critères qui sont aujourd'hui assez flous pour que nous ayons, s'il y a un flou, il y a également un loup. Donc, sur ces dossiers, j'en aurais pratiquement terminé, mais il y en a d'autres, mais je vais passer la parole à Carole Longjean. Nous avons évidemment des propositions pour améliorer les bases de données. Nous avons aussi un problème, que je viens de vous parler de la résidence. La caisse de vieillesse de Marseille, qui a eu quelques doutes sur un certain nombre de dossiers, a circularisé une demande qui ressemblait un peu à une preuve de vie et ont perçu 33 000 retours avec n'habite pas à l'adresse indiquée. 33 000 retours n'habite pas à l'adresse indiquée, ça fait beaucoup de doutes sur la résidence quand même. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui de recollement au sens juridique du terme des n'habite pas à l'adresse indiquée. Alors, ce serait quand même très intéressant que les caisses échangent entre elles ces données sur n'habite pas à l'adresse indiquée pour les questions de justification de résidence, qui serait anecdotique si un certain nombre de prestations n'étaient pas liées précisément à la résidence. Donc, je vais laisser la parole à Carole Grandjean sur la suite, et puis nous compléterons au fur et à mesure des dispositifs. J'en viens sur cette partie à l'organisation finalement du pilotage de la lutte contre les fraudes. Nous avons effectivement rejoint les constatations faites par la Cour des comptes qui, au travers de plusieurs de leurs rapports, ont effectivement souligné la difficulté qu'ont les organismes sociaux à véritablement mettre en œuvre une véritable politique culture de lutte contre les fraudes. Et je tiens à le rappeler, lutter contre les fraudes, c'est lutter contre des abus qui viennent évidemment induire des injures qui ne permettent pas ensuite d'aller redéployer des financements publics sur d'autres politiques de solidarité. Et donc, il nous paraît absolument essentiel aujourd'hui de retrouver en France une culture de la lutte contre les fraudes sociales et ne pas uniquement s'attacher à la lutte contre les fraudes fiscales. La lutte contre les fraudes sociales est un enjeu évidemment de société que nous proposons donc de retravailler dans son pilotage qui aujourd'hui est très largement animé par la DNLF qui a, nous regrettons un certain nombre de pouvoirs qui sont insuffisants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il s'agit surtout d'animation de ces politiques de lutte contre les fraudes. Mais pas de contrôle, pas de fixation d'objectifs et pas de politique de suivi des politiques publiques mises en œuvre, des politiques publiques contre les fraudes mises en œuvre par les organismes de protection sociale. Protection sociale. Délégation nationale de lutte contre les fraudes. Vous avez raison de me reprendre. On a effectivement donc cette DNLF qui aujourd'hui anime donc cette politique de lutte contre les fraudes, qui vient d'ailleurs travailler aux côtés des CODAF. Les CODAF, ce sont ces réunions professionnelles animées, co-animées par les procureurs et les préfets, et qui regroupent dans leur comité les organismes de protection sociale, Pôle emploi, pour effectivement lutter et partager ensemble les enjeux de lutte contre les fraudes au niveau territorial. Il nous paraît effectivement aujourd'hui extrêmement important de dynamiser cette culture de lutte contre les fraudes et donc de redonner au CODAF une capacité à travailler plus efficacement encore sur les territoires. On observe de grandes différences de fonctionnement entre les CODAF et une animation nationale qui me paraît tout à fait insuffisante de ces CODAF pour favoriser le partage d'expériences et favoriser la formation finalement continue des professionnels qui travaillent dans ces dispositifs-là. Les territoires sont assez inégaux dans leur travail au sein des CODAF, donc il nous paraît absolument nécessaire de pouvoir renforcer le pilotage. Donc on propose un secrétariat d'État qui finalement piloterait la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Ce secrétariat d'État-là aurait donc une force pour animer ces CODAF,
qui viendrait effectivement beaucoup plus régulièrement les réunir, organiser le partage d'expériences et surtout organiser la dynamique des territoires à travailler sur ces sujets. Je fais un parallèle rapide avec ce que disait Danaï tout à l'heure, mais l'organisation territoriale de nos prestations sociales fait qu'aujourd'hui, les territoires discutent peu entre eux et finalement pilotent ça selon l'engagement des personnes qui sont plus ou moins en alerte sur ces sujets de politique de lutte contre le fléau. Donc il nous semble absolument nécessaire de piloter, de renforcer le pilotage de la lutte contre les fraudes. Aujourd'hui, les objectifs sont fixés par les organismes de protection eux-mêmes. Les contrôles internes et externes sont faits par et pilotés par les organismes de protection sociale eux-mêmes. Il nous paraît absolument nécessaire de remettre finalement cela à plat dans l'organisation pour renforcer l'efficacité de cette politique de lutte contre les fraudes. Au niveau international, parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que la lutte contre les fraudes sociales a évidemment toute sa pertinence sur notre territoire national, mais également a du lien avec les territoires transfrontaliers notamment, et l'international plus largement. Au niveau du transfrontalier, étant élu de Meurthe-et-Moselle, donc dans le nord-est de la France, on observe au carrefour de différentes frontières des réels enjeux de passage de frontières des travailleurs entre la France et le Luxembourg, entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Belgique, et on a également ces sujets-là avec la Suisse. On a de vrais enjeux à coordonner nos politiques de lutte contre les fraudes au niveau transfrontalier. Des accords sont déjà nés, il nous semble nécessaire d'aller plus loin sur ces accords pour pouvoir aller effectivement travailler ensemble sur les contrôles, travailler ensemble sur le partage de données, donner l'information de l'activité, par exemple, d'un travailleur au Luxembourg permet à Pôle emploi de savoir qu'effectivement sur cette période-là, le versement des prestations ne doit pas être fait, mais aujourd'hui c'est encore assez mal organisé alors que cette information circule entre certains organismes sociaux et notamment la sécurité sociale récupère cette information-là, mais aujourd'hui elle n'est pas partagée avec les autres organismes de protection sociale. Je vais assez rapidement sur cette partie-là, mais en fait, elle est extrêmement détaillée chez nous, pour nous, parce qu'effectivement, cette coopération transfrontalière et ces mouvements de population transfrontaliers sont le reflet de l'évolution de nos sociétés et sont effectivement le reflet de l'évolution également des fraudes. J'ai déjà abordé les CODAF au niveau international. Peut-être que je te laisse la main sur la coopération internationale sur le sujet. Oui, deux points, un de complément. Il faut bien voir que la lutte contre la fraude fiscale, le ministre des Comptes publics l'a rappelé pendant l'été à la rentrée, c'est une course contre la montre, et il a notamment reparlé de la lutte contre la fraude à la TVA avec l'utilisation de méthodologies enfin nouvelles et détection précoce. On a exactement la même chose en matière de fraude sociale. C'est aussi une lutte contre le temps, puisque vous imaginez bien que les indus sont extrêmement difficiles à recouvrer. On vous donnera tout à l'heure pour la bonne bouche et pour filmer un exemple complètement fou. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont votés. Et puis, on attend un an pour des décrets d'application, c'est notamment le cas avec les améliorations du système, pour lesquelles les décrets ne sont toujours pas sortis un an après, ce qui est une négation des droits du Parlement absolue. Et puis, Carole Grandjean me parlait de européen, et c'est extrêmement important parce qu'il y a énormément de travailleurs frontaliers et on a un règlement 883-2004 plus un règlement européen de 2009 qui prévoit des, et de 2014 qui prévoit, donc on en a au moins deux, qui prévoit des échanges de données entre les pays européens et qui ne sont absolument pas appliqués. Donc s'il vous plaît, c'est pas la peine de survoter des choses alors qu'on a des dispositifs qui sont pas... Alors, on a deux choses, alors sur l'aspect international, j'y viens, mais on a quand même deux fils rouges. La bonne et la mauvaise volonté des organismes à prendre des mesures, notamment contre la fraude interne, qui est très importante. Je ne vous citerai qu'un exemple, mais il est quand même extravagant. On nous a dit pendant les auditions qu'une caisse de retraite parisienne et qu'un salarié de la caisse en question avait liquidé la retraite d'un avionneur célèbre qui évidemment ne l'avait jamais demandé
et qu'il a fallu plusieurs années pour qu'on se rende compte que ce monsieur X touchait la retraite d'un monsieur D qui lui-même l'avait jamais demandé. Ça, c'est de la fraude interne. Si c'est 1, ça veut dire 50, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Donc, la Cour des comptes, tous les ans, certifie les comptes avec des réserves. Il y en a 15, il y en a 16, il y en a 18, il y en a 19. Et chaque année, on recommence. Il y a un moment, il faut qu'on arrête, qu'on cite la fin de la récréation avec les réserves de la Cour des comptes et que les caisses prennent leurs responsabilités. Carole Grandjean vous l'a dit il y a une seconde, les caisses fixent elles-mêmes leurs objectifs, les conventions d'objectifs et de gestion. Caisse d'assurance maladie cette année a fixé à 0,7% le contrôle des lits d'hôpitaux. Ah oui, c'est fait 100 000 lits. Oui, d'accord, mais c'est 0,7%. Peut-être qu'on pourrait un petit peu, peut-être 1%, peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus ambitieux. Parce que vous comprenez que quand vous vous fixez, quand vous êtes ordinateur et comptable, et quand vous vous fixez vous-même vos objectifs, c'est quand même beaucoup plus facile de les atteindre. Voilà. Donc, pour en revenir aux problèmes internationaux, un, sur les questions européennes, on a des directives, on a un nouveau Parlement européen, on a des commissaires européens, on a des directives qui sont votées, on a des textes qui doivent être appliqués. Il faut même, sous l'égide de l'un ou l'autre de nos ministres, organiser d'abord dans les ministères et puis ensuite au niveau administratif, comparé comme ça peut se faire notamment avec l'Allemagne et la Caisse de prêt, pour laquelle il y a quand même un peu de coopération. Il faut organiser un peu les choses, parce qu'il y a trois pays avec lesquels ça fonctionne, c'est le Luxembourg, l'Espagne et la Belgique, je crois, en ce qui concerne le transfrontalier. Tous les autres sont à l'état de projet, mais comme personne pousse à la roue, eh ben ça avance pas. Et pendant ce temps-là, des gens touchent des prestations auxquelles ils n'ont pas droit en France et vont travailler dans les pays frontaliers, et nous, on dit que tout ça, ça suffit. Voilà, c'est dit. Alors, ensuite, sur les problèmes internationaux, notamment, alors, c'est un problème très compliqué parce que vous avez beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas d'état civil. Et donc, il y a des conventions qui ont été passées, quelques-unes ont été passées, c'est un état de projet. L'Assemblée générale de la francophonie a voté à Dakar il y a quelques semaines une résolution au terme desquelles il fallait disposer de fonds pour aider les États, notamment d'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, à établir des actes d'état civil, pas seulement pour des questions liées aux prestations qui toucheraient ailleurs, ici ou ailleurs, c'est pas du tout le sujet, c'est aussi pour leur propre sécurité, pour la nôtre au passage, mais aussi pour les questions liées aux politiques de développement. Comment vous voulez assurer une politique de développement convenable si vous avez un enfant sur 14 qui est déclaré à l'état civil, qui est totalement à l'état de larvaire? Il y a une difficulté. Et alors, sur toutes ces questions d'état civil, moi, et Carole Grandjean, nous avons repris un des dispositifs qui durait depuis longtemps. Il y a un fonds européen pour la sécurité, qui est doté d'à peu près 74 milliards d'euros, pour lequel on pourrait très bien avoir une politique, notamment de coopération, entre l'Europe et les pays, notamment de grande immigration, pour sécuriser les actes d'état civil. Et là, on a un deuxième problème qui est extrêmement important et sur lequel il va falloir que les autorités politiques finissent par trancher, c'est qu'on a une appréciation de la validité des actes d'état civil étrangers différents selon qu'on est la police de l'air et des frontières, qui est quand même notamment le deus ex machina du problème de la sécurité, et les caisses. Alors, il y a un acte, la police de l'air et des frontières dit « il est faux ». Ouais, mais les caisses de sécurité sociale nous disent « mais non, pas du tout, c'est un vieux papier qu'ils ont utilisé, il restait un stock de vieux papier, on va l'utiliser ». Donc il faut, on ne va pas faire trop de débat là-dessus, mais enfin, il faut harmoniser les critères de validité des actes d'état civil étranger et aligner cette validité sur la police de l'air et des frontières, qui est l'autorité légitime pour nous dire si un acte est bon ou mauvais. Et là, la partie liée notamment à l'appréciation des caisses et l'appréciation notamment des caisses de retraite, mais pas seulement des caisses qui font l'enregistrement, le droit d'appréciation doit être conditionné par une règle simple qui est l'article 47 du Code civil et les critères de la police de l'air et des frontières qui doivent être prédominants. Parce que, je suis désolée de revenir sur une actualité récente du week-end,
Mais vous ne pouvez pas continuer à avoir des gens sur votre territoire qui ont trois identités, deux cartes, des cartes de séjour, et des cartes d'ailleurs, et des cartes européennes, etc. Ce n'est pas un cas unique, c'est un cas multiple, et ça, ça ne doit plus arriver, et on a tous les moyens pour le faire, il faut simplement un peu de volonté de la part, donc on a des pistes de coopération qui sont extrêmement importantes. Sur la coopération à l'étranger, on a un autre problème qui est également suivi par TRACFIN, c'est-à-dire quand même le renseignement financier. Vous voyez qu'on atteint quand même, on a dans le cercle les plus hautes autorités en matière de contrôle. On a la police de la frontière, on a le ministère de l'Intérieur, on a TRACFIN, c'est important. Bon. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui perçoivent des prestations sur des comptes à l'étranger. A priori, c'est permis. Oui, c'est permis, sauf que quand il y a des réseaux qui sont détectés et que cet argent file à l'étranger sur des comptes à l'étranger et après est retiré en cash, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc nous faisons des propositions de façon à ce que notamment un certain nombre de prestations soient versées d'abord sur un compte français, quitte à ce qu'après ils soient versés à l'étranger, ça ne pose pas de problème, mais qu'on puisse avoir au moins une traçabilité. Vous avez aussi un certain nombre de prestations qui sont des prestations de vie, voire de survie versée sur des comptes épargne, sans mouvement, jusqu'à un certain seuil, comme par hasard le seuil de TRACFIN, et après qui sont virés directement sur un compte à l'étranger, ça doit s'arrêter. Les prestations sont des prestations de vie ou de survie, c'est pas des prestations d'épargne, c'est pas des prestations pour travailler l'écureuil. Donc, ça sont des mesures multiples qu'on a prévues. Effectivement, dans cette dynamique-là, le sujet des cartes Visitales nous paraît extrêmement important. Il nous faut aujourd'hui prévoir une limitation de la durée sans mécanisme de contrôle de la reconduction de nos cartes Vitales. Elles ouvrent aujourd'hui un certain nombre de prestations qui doivent être régulées par des mécanismes limitant effectivement leur durée de vie dans certaines conditions si finalement le bénéficiaire ne justifie pas d'un certain nombre de voyants au vert. C'est extrêmement important, ce n'est pas anodin. C'est d'ailleurs, pour revenir à la dimension européenne, des dispositions qu'ont pris d'autres pays européens et qui fonctionnent très bien. Si un assuré quitte le territoire définitivement pour habiter à l'étranger, sa carte vitale doit être désactivée. Aujourd'hui, un étudiant Erasmus qui vient en France, qui donc a droit à sa carte vitale et nul ne contestera, s'il repart dans son pays d'origine pour continuer et poursuivre sa vie, sa carte aujourd'hui n'est absolument pas désactivée et ouvre sur un certain nombre de risques, donc de fraude que nous souhaitons dénoncer. Donc il nous paraît extrêmement important que dans le cas effectivement des mobilités des personnes, notamment d'un départ à l'étranger ou du décès, ces cartes vitales soient absolument désactivées. Un des mécanismes que nous proposons pour cela, c'est effectivement de la limiter dans sa durée de vie et de prévoir les conditions de son renouvellement. Globalement, on souhaite aller plus loin dans la sortie du déclaratif. On a trop tendance en France à accepter finalement la déclaration de l'administré, qui d'ailleurs, souvent de bonne foi, fait un certain nombre d'erreurs. Et pour ne prendre que le cas de Pôle emploi, vous avez effectivement un certain nombre de déclarations, notamment des revenus qui sont faits par les personnes, dont le calcul est relativement complexe et d'ailleurs si complexe que les agents eux-mêmes reconnaissent que quand ils doivent le faire pour un proche, ils ont parfois du mal à le faire. Donc les indus sont énormes et la distinction entre erreur de bonne foi et fraude est extrêmement difficile à effectuer pour ces organismes qui passent beaucoup de temps à récupérer les indus de bonne foi et à essayer de gérer du coup les indus liés à la fraude. Donc sortir du déclaratif, ce n'est pas quelque chose de conceptuel, absolument inatteignable. D'autres modèles l'ont fait, et je pense à l'Estonie, mais un modèle plus proche du nôtre, ça serait la Belgique, a organisé finalement une
plateforme de partage des données issues des organismes sociaux qui permet de sortir de cette démarche déclarative et qui permet d'ailleurs par là même de lutter contre l'erreur de bonne foi et de lutter contre le non-recours au droit qui est un vrai fléau en France et que nous dénonçons très fort et qui pourrait effectivement trouver des solutions beaucoup plus pragmatiques par notamment la sortie du déclaratif. Donc on est très déterminé à pouvoir effectivement faire changer un certain nombre de pratiques, notamment sur l'aspect déclaratif. La biométrie, si je peux avancer encore un peu sur les propositions, la biométrie est pour nous un vrai sujet. Un sujet évidemment de débat dans la société. Nous entendons que ce sujet-là puisse faire place à la notion de respect de la vie privée et donc nous y tenons absolument. Néanmoins, cette donnée biométrique nous permet de dépasser la notion d'identification mais d'aller plus loin, d'aller dans l'authentification des personnes et de venir répondre à un certain nombre d'enjeux que Nathalie a évoqués tout à l'heure. Et je pourrais aller plus loin parce qu'au niveau européen, vous avez des numéros d'identifiants qui sont octroyés par l'État membre, hein, je pense notamment à la Roumanie, mais d'autres pays le font, l'Estonie notamment, et qui vous attribuent finalement un numéro, ce qui vous permet de changer d'état civil assez facilement, puisque pour eux, la constance du numéro fait que si vous changez de prénom, si vous modulez votre nom, ça n'a pas d'impact dans leur système. Donc on comprend parfaitement que ce soit relativement aisé dans leur mécanisme d'autorisation pour changer l'état civil. Néanmoins, chez nous, ça a un impact fort, puisque dans l'attribution du numéro NIR que tout à l'heure Nathalie évoquait, effectivement, le changement d'identité, le changement de nom, de prénom, est un changement pour nous d'identité, et donc peut faire l'objet finalement d'une attribution d'un nouveau numéro NIR, et donc ouvrir de nouvelles dispositions en termes de prestations sociales. C'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de poser cette question de la biométrie qui nous paraît être une dimension nécessaire pour pouvoir effectivement dépasser cette question de l'authentification, ce qui permettra aussi de répondre aux mouvements de population qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment les départs à l'étranger pour les personnes en retraite, françaises qui partent à l'étranger ou étrangers qui repartent finalement d'un pays d'origine, et donc de pouvoir aussi répondre à la question de l'authentification de vie qu'on évoquait tout à l'heure, dans le respect bien sûr de la vie privée, dans le respect de la garantie de la confidentialité de ces données. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons tous fait la démarche de donner nos empreintes digitales lors de notre demande de passeport ou de carte d'identité. Et je crois aujourd'hui qu'il faut que les gens comprennent l'importance de l'authentification et l'intérêt d'un dispositif comme celui-ci dans nos processus d'octroi des prestations sociales. Je vais compléter et je vous encourage, si vous n'avez pas encore enquêté sur le sujet, de regarder avec un œil vraiment très intéressé l'Association internationale de gouvernance du cachet électronique visible. Parce que c'est un outil extrêmement simple, qui a notamment été utilisé par le CRUS, et qui permet d'éviter éviter la fraude documentaire. C'est un système très simple, c'est un système pas très onéreux, c'est un système qui résiste notamment aux scanners, aux photocopies, etc. Et donc, on a aujourd'hui des outils pour lutter contre la fraude documentaire, qui est quand même un problème. Donc, vous avez dans la petite note qui vous a été remise énormément de propositions, certaines sont plus techniques, comme des limitations et tout. Moi, je crois que, en tous les cas, pour ma part, pour conclure et vous laisser le temps de poser des questions, je voudrais vous dire qu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une lutte contre le temps. Mais on est aussi dans une rupture de politique, et il faut absolument que la volonté de ceux qui veulent lutter contre la fraude l'emporte sur l'immobilisme. Parce que c'est quand même, et je pense que l'exemple de la Cour des comptes est de ce point de vue majeur, on ne peut pas continuer à accepter pendant des années les mêmes réserves et de ne pas avancer. On ne peut pas voter,
On ne peut pas revenir non plus sur d'une loi de finances sur l'autre ou d'un projet de loi de finances de sécurité sur l'autre avec des mesures qu'on a votées et dont les décrets ne sont pas appliqués. Alors, vous avez des inspections magnifiques. Vous avez l'IGAS, vous avez l'IGF, vous avez des corps de fonctionnaires absolument formidables qui rendent des rapports qui finissent dans le tiroir. C'est aussi la raison pour laquelle on est quand même un peu devant vous pour vous dire on a un rapport qui arrive et croyez-moi, il est dense et volontaire. Bon. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez, on a des mesures à prendre. Et alors, on a des mesures, notamment du code pénal, qui existent et qui sont des mesures extrêmement simples, c'est la dilapidation des deniers publics. Parce qu'au bout d'un moment, quand les gens renoncent ou diffèrent des mesures pour faire des économies ou éviter la fraude, eh ben, c'est la dilapidation d'argent public. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudra peut-être agiter le chiffon des sanctions. Je laisserai la parole à Carole Grandjean sur un sujet qui lui est cher. Je voudrais finir sur un point qui est à la jonction de toutes les fraudes et qui concerne les comptes bancaires. Tout à l'heure, on vous a parlé de la mobilité des personnes, de la mobilité professionnelle, de la mobilité géographique. On vous a parlé des comptes de prestations qui étaient versées à l'étranger. On vous a dit à quel point il serait important que ça transite par des comptes en France. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez notamment des banques sans guichet, des banques en ligne, qui ne répondent à aucun des critères de la CPS, c'est-à-dire de l'autorité de contrôle prudentiel. Donc Carrefour, etc. Et puis, vous avez une créativité extraordinaire, qui est notamment la banque allemande N26, qui est une banque en ligne, qui émet un IBAN FR, c'est un IBAN français. Et donc, moi, je m'arrêterai là, parce qu'après, on décline un peu, et je pense que Carole a encore des choses très importantes à vous dire. Il faut un fichier bancaire européen, il faut un FICOBA européen. C'est extrêmement important pour la fraude fiscale, mais ça l'est tout autant pour la fraude sociale. Comment voulez-vous qu'on vérifie les revenus des gens? On vous a parlé du déclaratif. Enfin, le déclaratif, une fois qu'on a fait le droit à l'erreur, une fois qu'elle est de bonne foi, et une fois qu'on continue à tricher, on continue à percevoir. Donc, il faut ce FICOBA européen. Et moi, je vais juste conclure sur un point avant de passer la parole à Carole Grandjean sur les questions qui touchent plus aux entreprises, qui sont de ses spécialités. C'est que vous avez, par exemple, une fraude à l'AXA, fraude classique, à une allocation classique. Bon, il n'y a pas de délai de carence. Monsieur X est frappé par une mesure parce qu'il a fraudé, on va le laisser sans délai de carence, sans délai de carence, redéposer un dossier et bénéficier d'une nouvelle prestation. Et alors là, on est un pays formidable, parce que pourquoi certaines caisses ont 95% de retour d'indu? Parce qu'elles vont prélever la fraude sur la nouvelle fraude, c'est-à-dire la fraude rembourse la fraude. C'est-à-dire on est quand même un pays formidable. Tout ça multiplié par X millions de personnes et vous avez une étendue et une vision quand même de la fraude qui est loin d'être négligeable. Voilà. Donc, il faut de la volonté. Deux, il faut du suivi. Je crois que nous ne manquons ni de l'un ni de l'autre. Et je laisse la parole à Carole Grandjean sur la partie des entreprises éphémères. Effectivement, je souhaite revenir sur la question des entreprises éphémères, ce qui est un phénomène mal connu, mais qui a été répertorié par la DNLF que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont ces entreprises et ces entrepreneurs qui créent une entreprise, une activité en France, souvent originaire d'un pays hors Union européenne. On a quelques entrepreneurs de l'Union européenne qui créent une activité pour grande part fictive, avec des salariés qui sont complices et qui bénéficient de niveaux de rémunération tout à fait atypiques par rapport à leur métier, qui ont finalement une déclaration préalable à l'embauche qui est effectuée dans les règles, avec des documents, type fiches de paie qui sont délivrés de manière à ce que la personne soit le plus en régularité possible. Sauf que ces entreprises cotisent la partie fiscale dans la mesure où nos services fiscaux réagissent très vite au non-versement des obligations, mais la partie sociale est peu ou pas versée, ou versée un temps et puis plus versée, ce qui fait qu'effectivement, évidemment, au-delà de l'aspect
concurrentielle et concurrence déloyale qu'on peut regretter, vient travestir un peu l'objectif, effectivement, de déclaration dans, en bonne et due forme des personnes. Donc elles sont déclarées, elles ont un niveau de rémunération atypique, et puis à un moment donné, liquidation, et ces personnes-là bénéficient de l'assurance garantie de salaire et des prestations Pôle emploi, viennent effectivement bénéficier des dispositifs qui existent sur, j'ai envie de dire, une intention que nous souhaitons saluer et soutenir, et bien évidemment, mais pour des entreprises et des entrepreneurs qui ont intentionnellement fraudé aux cotisations sociales, qui n'ont donc absolument pas cotisé à ces assurances, dont l'arrêté d'activité est souvent discutable, dont les transmissions mensuelles via la déclaration sociale nominative auraient pu commencer à donner des éléments d'alerte, qui parfois figurent dans la base du fichier national des interdits de gérer, qui n'est pas consultable d'ailleurs par les AGS, et qui du coup viennent utiliser les systèmes de protection que nous avons en France et sans avoir participé à la cotisation de ces droits. Nous sollicitons effectivement un certain nombre d'évolutions de manière à aller beaucoup plus tôt dans le coupage, finalement l'arrêt de ce phénomène. Là encore, c'est la guerre contre le temps que nous évoquions tout à l'heure. Il nous faut mettre en place très vite des mécanismes de protection de manière à éviter la création de ces entreprises qui, bien souvent, n'ont pas pris la précaution de se faire vérifier l'identité de ces micro-entrepreneurs, de faire toutes les formalités pour justifier le domicile. Donc déjà, dans la création de cette entreprise elle-même, très vite, dans la déclaration sociale nominative et dans les déclarations préalables à l'embauche, on peut identifier des signaux d'alerte qui nous permettraient de très vite réagir. Et puis, plus tard, effectivement, accompagner l'assurance garantie de salaire au sein des CODAF et évidemment au sein des dispositifs qu'ils ont à leur main pour pouvoir lutter contre le remboursement de fausses rémunérations qu'ils sont aujourd'hui tenus de verser et sur des bases forfaitaires. C'est-à-dire que si une personne a un mois d'indu de salaire, il doit verser de toute façon une base forfaitaire de 6 mois, pour donner un exemple. Donc on a effectivement un vrai mécanisme aujourd'hui de prévention à mettre en place, de coordination de nos acteurs et de coordination des données pour éviter effectivement la dégradation de la situation et puis ensuite des réponses beaucoup plus fortes pour éviter de payer la situation frauduleuse et de ne pas avoir à reprendre les versements que tout à l'heure Nathalie évoquait, ça nous paraît extrêmement important. J'en terminerai juste pour ma part sur l'aspect formation. Récemment, nous avions une légère polémique sur le sujet des formations, et notamment celle aux mensonges. Pour nous, la formation est évidemment extrêmement importante. Il y a une sensibilisation très forte sur l'identification, notamment des faux documents. Et là, véritablement, on doit pousser un peu plus fort notre exigence de formation et probablement dans nos procédures internes, l'exigence de l'authentification du document original. On doit également aller plus loin dans la culture de ce qu'est la fraude sociale en France. Et donc là, bien sûr, on accompagnera toute proposition de formation qui va là-dessus. Néanmoins, déjà, le prérequis avant d'aller vers des formations de détection aux mensonges, c'est d'aller vers l'entretien physique. Je tiens à rappeler que la plupart de nos premières entrées en relation avec les personnes qui demandent de l'information sociale se fait par téléphone. Et donc ne se fait absolument pas en face à face, ce qui rend d'autant plus difficile la détection du mensonge. Donc on doit véritablement déjà passer par des aspects tout à fait pragmatiques, des formations qui sont véritablement d'ordre de procédure, de culture de lutte contre les fraudes, avant d'arriver sur des formations plus d'ordre psychologique ou de compréhension de la personne que nous aurions en face de nous. Ça peut être très intéressant, c'est un sujet, j'entends bien, mais qui prend peut-être le sujet dans un sens qui ne paraît pas complètement opportun. Très bien, je pense que nous allons vous laisser la parole pour des questions. Vous voulez bien vous présenter, monsieur, s'il vous plaît ? Oui, Gabriel Bourovitch, journaliste à l'Agence France-Presse. Il y a beaucoup de propositions, juste pour être sûr que j'ai bien compris. L'administration française est inefficace. Par voie de conséquence, il faut contrôler beaucoup plus étroitement tous les citoyens qui
au passage, a renié sur certaines libertés publiques pour lutter contre une fraude dont on ignore l'ampleur. Votre document, d'ailleurs, ne fait état d'aucune évaluation. Est-ce que j'ai bien résumé ? Alors, non. Vous n'avez pas bien D'abord, vous n'avez pas bien résumé. C'est un document qui est un document provisoire et qui fait état des premières constatations après 90 éditions. L'administration française peut sûrement beaucoup mieux faire. Et trois, les caisses qui versent 450 milliards d'euros par an de prestations devraient arriver à mettre en commun un certain nombre de données pour éviter la fraude. La fraude qui permettra de mieux payer les infirmières, de mieux régler les problèmes d'urgence, d'éviter notamment la fraude du secteur médical et hospitalier, qui est très important, c'est 80% du montant de la fraude et 30% des fraudeurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on en parlera la fois prochaine. Mais vous avez quand même des éléments extrêmement simples qui ne portent pas atteinte aux libertés individuelles, mais qui, en revanche, pourront permettre une meilleure répartition des fonds publics au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque fois que vous avez une fraude, et notamment sociale, vous avez une altération claire des principes qui fondent notre société, et notamment des principes de répartition et d'équilibre social, et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces prestations, c'est précisément pour aider les plus faibles. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas aider les plus faibles si vous les aidez mal et l'argent est le même. Celui qui va payer les infirmières, celui qui va payer les urgences, etc., et celui qui va être prélevé... Si vous voulez, la fraude fiscale, c'est de l'argent qu'on n'entre pas. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois. Tous les mois. Donc, non, il n'y a pas de question de liberté publique, etc. Il y a une question d'équilibre de la société au profit des plus faibles, de façon à ce qu'on aille chercher l'argent plutôt dans la poche des fraudeurs, plutôt que de réduire des APL, de réduire, etc., de réduire et de laisser nos urgences et nos infirmières. Qu'est-ce qui a tellement agacé cet été avec une formation de 750 000 euros de la caisse d'assurance maladie au mensonge ? C'est qu'aujourd'hui, ces 750 000 euros, au lieu de former à quelques heures pour détecter le mensonge alors qu'on a un écran et que les prestations sont en ligne, c'est ces 750 000 euros qui seraient mieux dans la poche des infirmières, des urgences et des hôpitaux. Voilà ce qui a agacé. Donc je ne suis pas tellement d'accord avec votre constat. Et en plus, je pense que le premier problème est un problème de volonté. Et personne aujourd'hui n'a envie de mettre les gens sous coupe. On a un problème en France d'équilibre avec les fichiers, on le sait depuis longtemps. Mais à mon sens, ce n'est pas exactement le sujet. Et en tous les cas, la conclusion est totalement erronée compte tenu de l'état de nos... Et je comprends ce que vous me dites, mais vous ne pouvez pas nier, et quand vous lirez toutes les auditions et lisez les rapports de la Cour des comptes, vous ne pouvez pas nier qu'il existe un certain immobilisme, voire de la mauvaise volonté à mettre en place des procédures, et qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent qu'il n'y a pas de fraude. Et le hashtag « il n'y a pas de fraude », nous, on ne veut pas en entendre parler. Juste pour rebondir sur sur ce résumé qui, je pense, provocateur, donc j'espère que nous ne sommes pas mal fait comprendre de cette manière-là. De quoi parle-t-on, nous, des fraudes ? Donc effectivement, remettons dans le contexte nos propos. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en question les agents qui font leur travail avec les moyens qu'ils ont. Et pour nous, il est absolument essentiel de prendre de la hauteur. C'est notre rôle aujourd'hui dans le cadre de cette mission gouvernementale qui est d'évaluer les systèmes et de pouvoir effectivement regarder l'efficacité de nos politiques publiques en matière de lutte contre les fraudes au regard de l'enjeu qui est celui-ci, au regard de pratiques que nous avons pu observer dans différents pays européens, au regard aussi de propositions qui nous ont faites par les organismes de protection sociale eux-mêmes et d'organismes qui luttent contre les fraudes, notamment la DNRF ou qui évaluent, et je pense à la Cour des comptes. Il nous semble absolument aujourd'hui nécessaire de sortir de cette idée que nous nous opposons finalement à une dimension de solidarité si nous souhaitons aujourd'hui lutter contre les fraudes. Au contraire, il s'agit pour nous d'une mesure de justice sociale que de lutter efficacement contre les fraudes, une mesure de justice sociale qui permettra aussi de répondre à des enjeux encore une fois très forts et
Pôle emploi ou la CAF, et vous le verrez probablement dans notre rapport, le dit très clairement, une dimension de droit à l'erreur qui est très forte en France et d'indus qui sont très compliqués pour eux à gérer toute l'année, et également un vrai souci, 30% aujourd'hui des droits ne sont pas demandés, on a un vrai problème de recours aux droits en France, et évidemment, les réponses que nous apportons nous paraissent pouvoir répondre à ces différentes dimensions. Je crois qu'il ne faut pas prendre voilà, notre présentation pour autre chose que ce qu'elle est. Notre présentation, elle est un constat des dispositifs aujourd'hui mis en place pour lutter contre les fraudes. Oui, juste, Charles Prats, magistrat, mais je vais entre guillemets quasi faire le journaliste, donc vous poser quand même une question sur la suite des choses. Bah, moi, je suis effaré parce que vous venez de présenter. Quand même dans votre rapport, enfin, j'attire l'attention de la salle, vous venez de nous expliquer que dans le système social français, il y a 84,2 millions de numéros de sécurité sociale de gens qui sont censés être vivants, alors que nous sommes 67 millions dans le pays, donc ça veut dire qu'il y aurait 17 millions de numéros de sécurité sociale en plus que de gens qui existent, et vous nous expliquez qu'il y a 3,1 millions de centenaires en vie en France dans notre système social, alors que l'INSEE nous dit qu'il y en a 21 000 au dernier recensement. Donc il y a un vrai sujet. Alors effectivement, je pense que vous n'êtes peut-être pas encore allé demander si tous ces gens-là touchaient des prestations, et c'est la question, c'est est-ce que vous allez dans la mission aller demander, notamment dans le cadre du registre national du commun de la protection sociale, combien il y a sur ces 84 millions de gens qui touchent et sur ces 3 millions de centenaires. Enfin, permettez-moi de vous dire, pour l'instant, c'est un peu Walking Dead, quoi. C'est des zombies dans le pays. Enfin, il faut quand même avoir conscience du scoop qui vient d'être balancé par cette mission. Ce qui revient aussi un peu en perspective, ce qui avait été raconté par une autre mission du Sénat il y a quelques mois, enfin, 84 millions de numéros de sécu de gens réputés en vie, dont 3 millions de centenaires dans le pays. Donc rien que ça. Enfin, moi, je ne les connaissais pas ces chiffres. Hein. C'est vrai que j'avais expliqué les problématiques sur les gens nés à l'étranger, mais j'aurais presque tendance à dire que là, maintenant, c'est peanuts. Enfin, le sujet, ce n'est même plus les gens nés à l'étranger. C'est comment le système social est géré en France. Comment est-ce qu'on peut avoir 17 millions de numéros de sécurité sociale de personnes vivantes en plus par rapport aux gens qui existent, comment est-ce qu'on a 3 millions de centenaires en vie? J'ai lu le mail que vous avez donné. En plus, l'INSEE nous explique que tout ça, c'est nickel, c'est mis à jour toutes les semaines et qu'il n'y a aucun problème de transmission des documents. Ah, honnêtement, je tombe à la renverse. Voilà, donc j'espère et j'attends que cette mission aille encore plus loin. Parce qu'à mon avis, le chiffrage financier, on ne pourra même pas le faire. Parce que si on a des millions de numéros potentiellement frauduleux, on ne peut même plus aller faire un chiffrage par sondage. Là, effectivement, ce sera la règle de 3 avec le montant moyen des dépenses, mais là, on n'est plus à 14 milliards. Hein. On est à des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Parce que si on a 6, 7, 8 ou 10 millions ou 17 millions de numéros de sécurité sociale en trop par rapport aux gens qui existent, enfin voilà, vous faites le calcul, c'est quoi? C'est 15% des dépenses sociales? Ça commence à faire beaucoup, parce que les dépenses de protection sociale au sens large, c'est 700 milliards d'euros. C'est un peu plus de 450. Donc voilà, j'attire simplement l'attention. C'est vrai que la remarque de l'AFP qui disait votre rapport n'est pas précis, certes, elle était pertinente, mais il n'empêche qu'il y a quand même des chiffres précis que vous venez de donner et qui sont affolants. Monsieur Blanc. Oui, bien que Gérard Figaro. Est-ce que vous avez une estimation du montant fraudé qui s'explique par ces problèmes de liste, etc. Parce qu'on a plusieurs chiffres dans la nature. On a celui, Charles Prats, qui parlait de 14 milliards. On a d'autres aussi. L'évaluation entre 200 millions et 800 millions, Lucien Assafran de l'ANBAC après enquête également aussi sur place. Donc j'aimerais savoir quel est vous votre chiffre et quel est le chiffre que vous trouvez le plus pertinent. Merci. Alors je ne vais pas arbitrer entre Charles Prats et mon collègue. Ah, il faudrait quand même avoir le chiffre. Je suis bien d'accord puisque ça fait de toute façon partie des demandes du Premier ministre. Mais voyez-vous, nous, on a travaillé et nous travaillons, comme vous le voyez, de façon contradictoire et coordonnée. Donc on commence par faire un vrai constat contradictoire avec des auditions et des chiffres, n'est-ce pas? Donc quand on aura fini la totalité de nos auditions, quand on aura été aux endroits nécessaires pour faire les réquisitions dont Charles Prats parlait il y a une minute, c'est-à-dire savoir qui perçoit des prestations, qui n'en perçoit pas, en gros, quels sont les inactifs, ceux qui ne sont pas, etc. Quand on aura fait la lumière sur les chiffres de l'INSEE, qui sont des chiffres un peu plus officiels, et dont on vient de vous décrire avec énergie le côté quand même assez surprenant,
Alors, on fera une évaluation parce qu'on pourra savoir, en fonction des dossiers qu'on nous aura rendus, quel genre de prestations ont été touchées par des zombies ou des pas-zombies. Mais si vous voulez, notre travail à nous d'enquête aujourd'hui, qui va durer encore 3 mois, c'est d'abord de faire l'état des lieux qu'on vient de vous proposer. Ce serait totalement déraisonnable de vous dire aujourd'hui de combien est la fraude, parce qu'aujourd'hui, franchement, on n'est pas capable de chiffrer. La Cour des comptes a clairement, sur 450 milliards, chiffré entre 3 et 10%, parce que la seule personne qui aujourd'hui fait l'évaluation, c'est l'université de Portsmouth, qui fait un travail européen qui pourra nous extraire le travail français. On peut, par caisse, avoir des idées, mais encore une fois, aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre en termes de montants, ce serait irresponsable. Parce qu'après, en dehors des montants, on a aussi des économies qu'on peut vous proposer, qui sont notamment, aujourd'hui, les chiffres qui ont pu être donnés par les uns ou les autres, et notamment par un rapport précédent du Sénat, sont, à mon avis, tout à fait hors de propos. Je pense qu'ils sont erronés les uns et les autres, et que si on arrive à un chiffrage, il sera sérieux et non contestable. Il faut savoir de quoi on parle déjà. Effectivement, c'est cette question autour des centenaires présumés vivants. Il nous faut aller plus loin pour pouvoir effectivement estimer, le concret, des prestations qui sont éventuellement versées, parce qu'encore une fois, elles ne sont pas forcément versées à l'ensemble, heureusement, de ces 14 millions. Donc il nous faut aujourd'hui pouvoir avoir précision, le versement des prestations sociales, pour ne prendre que cet exemple-là. Et en fait, sur chaque caisse, nous avons un certain nombre d'exemples de ce type qui nous engagent, du coup, à bien diagnostiquer déjà la situation avant de pouvoir essayer d'avoir une estimation chiffrée qui va être assez complexe à avoir. C'est pourquoi aussi, dans notre rapport, on est assez humble dans l'idée qu'un organisme extérieur doit pouvoir aussi prendre cette véritable mission. Et alors, pourquoi nous réunir ici aujourd'hui, avant la fin de notre mission? C'est la question. Est-ce que, comme le souvent voisin, c'est pour introduire des dispositifs dans le PLFSS? Mais pourquoi cette année-là? Parce que tout simplement, on a communiqué auprès du Premier ministre et de son gouvernement un certain nombre de propositions, que ces propositions-là elles restent concrètes. Je crois qu'on a passé près de 3/4 d'heure à 1 heure à vous décliner un certain nombre d'orientations que nous souhaitons pouvoir voir être prises. Au-delà du chiffrage que vous évoquez, les propositions nous semblent tout à fait concrètes, certaines d'ordre législatif, d'autres d'ordre réglementaire, d'autres d'ordre d'organisation, mais elles doivent commencer effectivement à peser dans le débat, dans la préparation aussi des textes législatifs à venir. Et donc Nathalie et moi serons dans chacune des chambres bien placées pour pouvoir porter un certain nombre de discussions. Néanmoins, elles ne sont pas que d'ordre législatif, et à ce stade, il nous paraissait intéressant de pouvoir commencer à ouvrir le débat, tout en étant confiante dans le fait que la volonté gouvernementale de nous confier une mission est en soi le signe d'une volonté que ce sujet soit posé. Les questions de justice sociale ont très largement été débattues dans le cadre du grand débat, donc je suis assez convaincue que le gouvernement souhaitera porter ces sujets-là dans le cadre des procédures législatives qu'on vient d'évoquer, mais également plus largement dans le débat autour des dispositions à prendre, d'organisation des structures de pilotage, notamment de lutte contre les fraudes. Je voudrais juste rajouter juste un petit point sur pourquoi aujourd'hui. Carole l'a très bien cité. Et vous voyez, quand au bout de 4 auditions ou 5 auditions, vous avez une même répétition de problèmes, je pense aux conventions d'objectifs et de gestion des caisses, des différentes caisses de retraite, d'assurance maladie, etc. Et que vous, et puis aussi du MEDEF, qui est partenaire de tout, et des organisations syndicales qu'on a entendues et qui sont partenaires. Et que tout le monde est très content qu'on contrôle 0,7% des lignes d'hôpitaux. Nous, on considère qu'avant le 1er janvier, c'est-à-dire dans le trimestre qui vient, il faut qu'on réunisse les partenaires pour augmenter les obligations des coges. Je veux dire, c'est l'État qui négocie. Mais il n'y a pas que l'État, c'est aussi les partenaires. C'est négocié entre les caisses et l'État. Typiquement pour l'assurance maladie, c'est la DSS qui fixe les prix. Et bien justement, la DSS, c'est Bercy et la Santé. Oui, non, mais justement, mais c'est nous, pas les caisses elles-mêmes qui se fixent un. Oui, mais tout ça se fixe comme un accord, et nous, on considère que l'accord est un minimal qui ne nous convient pas.
Donc nous, en tant que parlementaires, avec nos prérogatives de parlementaires élus au nom du peuple français et sans mandat impératif, on a celui de faire en sorte que tout ça bouge un peu et que les objectifs soient un petit peu plus ambitieux pour éviter un peu la fraude. Vous avez commencé en parlant d'un tabou que vous aviez levé, et on a compris dans la question des journalistes que le tabou financier n'était pas levé. Pourtant, hier sur Twitter, vous avez évoqué plus de 10 milliards d'euros. Donc est-ce que ce constat, ce premier constat que vous avez évoqué lors d'une réponse à Charles Prats d'ailleurs, qui validait finalement sa thèse de 14 milliards, est-ce que c'est partagé dans, vous avez dit, vous avez évoqué une lagunette à plus de 10 milliards d'euros, donc vous avez bien un chiffrage, un premier début de chiffrage, est-ce qu'il est partagé, vous avez dit que c'était contradictoire à la commission, est-ce qu'il est partagé par votre collègue, et est-ce que ce chiffre ne doit pas sortir de nulle part, donc comment vous êtes. Ah mais non, ça c'est la Cour des comptes qui dit entre 3 et 10%, et c'est l'université de Portsmouth. Donc ça ne fait pas exactement 10 ou 14, je ne sais plus, mais on a le document, je peux vous le donner, il n'y a aucun problème. La Cour des comptes dit que la fraude est entre 3 et 10%, c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes, il n'y a aucun sujet là-dessus. Écoutez, je n'ai pas lu le tweet dont vous parlez, donc excusez-moi de ne pas pouvoir être très précise là-dessus, mais s'il s'agit de l'estimation faite par l'université de Portsmouth, je l'ai moi-même évoqué, donc... Je rejoindrai ce propos-là, mais là je le fais en question, je ne sais pas trop vous parler de préciser. Oui, bonjour, moi je fais partie de l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance. Donc quand vous avez auditionné mon directeur, on est très très intéressé par votre démarche évidemment. Et je voulais savoir si dans le cadre de vos propositions, il allait y avoir des passerelles publiques-privées, puisque nous avons des moyens, on a aussi des attentes, on aimerait envoyer nos brefs anti-fraude, par exemple participer à des CODAF, ou pouvoir participer à des formations du. Et je voulais savoir si voilà, il y avait des propositions en ce sens-là pour les passerelles publiques-privées, comme ça se fait dans des pays anglo-saxons, ou comment on fait déjà sur d'autres domaines avec le ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas encore été envisagé. On peut tout à fait réfléchir à cela. Aujourd'hui, ça n'est pas partie des propositions qu'on a portées et souhaité vous présenter, mais encore une fois, les propositions qu'on fait ne sont pas exhaustives. Donc Valérie de Villechabrol, Protection sociale information. J'ai bien entendu donc effectivement donc, vos différentes mesures de lutte contre la fraude sociale. Est-ce que dans votre rapport définitif, vous allez également essayer d'évaluer le coût de ces mesures que vous préconisez? Je pense par exemple notamment à la gestion des preuves de vie. Pour connaître un petit peu ce qui se passe du côté assurantiel sur la gestion des contrats d'assurance vie en déshérence. Ce coût n'est pas neutre. Est-ce que dans votre rapport, vous allez également faire une estimation de ce coût de renforcement de la lutte que vous préconisez afin de le mettre en regard des économies que vous feriez de l'autre côté? Oui, alors c'est évidemment prévu. D'ailleurs, je profite de votre question pour vous dire qu'on a eu une assistance très intéressante et très importante de l'Association des départements de France. Dominique Bussereau et ses services ont fait circulariser un questionnaire auprès de l'ensemble des départements qui nous renvoient aujourd'hui leur gestion de la fraude. Et nous pouvons notamment évaluer le coût des moyens mis en place par un certain nombre de départements pour lutter contre la fraude au regard de ce que ces services rapportent en tant qu'évitement de fraude, etc. Donc c'est prévu notamment pour le coût de, par exemple, on a évalué, on a le cachet électronique, on cherche des évaluations sur la biométrie, parce qu'évidemment s'il faut équiper 600, 1000 ou 3000 guichets de techniques de biométrie, ça va évidemment avoir un coût. Donc je pense que c'est prévu, en tous les cas, c'est évidemment, ça fait partie des dispositifs. Oui. Manuel Lévy, Marianne. Vous avez évoqué 3,1 millions de centenaires. Ces personnes sont attachées sans doute pour partie des cartes vitales qui sont actives. Oui. Est-ce que vous avez pu estimer parmi ces cartes vitales actives en vie, celles pour lesquelles il y a eu des actes qui ont été produits? Votre question rejoint la question de Charles Prats il y a une minute. Ça va faire l'objet des prochaines auditions et des démarches. Vous n'avez pas pu obtenir. Ah, aujourd'hui, on ne les a pas. D'accord. Mais c'est évidemment la question. Vous les avez pas eu.
pas eu. Alors, il y a eu des questions écrites qui ont été posées déjà depuis bien avant la mission, pour lesquelles il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire en fait les liens actifs, hein, c'est ça dont on parle, mais pas avec les précisions que nous a données l'INSEE au mois de juillet. Mais il y avait déjà ces questions écrites qui ont été posées, qui sont au journal officiel de la République, posées par moi-même, donc, je le sais, mais je n'ai pas les réponses. Et ça fait évidemment partie, maintenant qu'on a des chiffres plus précis venant de l'INSEE de façon officielle, avec ces chiffres-là, on va évidemment demander quelles sont celles qui sont actives et celles qui ne le sont pas, bien entendu. Parce qu'on n'est pas dans la question d'estimation. C'est du vrai. Bien sûr. Bien sûr. On sera, parce qu'à partir du moment... Le rapport de mon collègue Van Nierenberg estimait que parmi les Français nés à l'étranger et les étrangers en France, il y avait 56,4% de cartes actives. Donc il faut refaire la règle de 3 par rapport au chiffre de l'INSEE, mais en ce qui concerne les centenaires, on va faire une réquisition à la CNAV notamment, mais pas seulement, et aux autres caisses pour savoir quelles sont les cartes actives. Oui, oui juste pour préciser, pour répondre, pour compléter cette question-là, pardonnez-moi. En fait, c'est soit en étape, parce que déjà on est en audition, ce qui nous permet effectivement de bien comprendre les mécanismes, de récupérer un certain nombre de matières, et ensuite on fait donc des requêtes pour avoir ces chiffres précis qui sont souvent pas disponibles en audition parce que les interlocuteurs ne viennent pas forcément avec. Donc pour nous, le mois de septembre va nous permettre d'aller un peu plus précisément dans certains chiffrages et donc de certaines requêtes. Juste pour une question précisée, quand la présentation que vous avez faite avec 3,1 millions de centenaires, la personne qui vous a dit ça, il vous a dit comment ? Il s'est étonné, il a trouvé ça tout à fait normal. Le document, c'est un mail qui est une réponse à une demande qu'on avait faite à la suite de l'audition. Vous l'avez dans le dossier de presse et ça n'a pas l'air de poser de problème particulier. Oui, juste pour préciser ce qui a été demandé par le journaliste Marianne, sur le 136,4% de chiffres donc, du rapport précédent du Sénat, en fait, on aboutit à 11,9 millions de NIR actifs sur les journées à l'étranger, donc des simplement sur la base des journées à l'étranger.
RPP la notion de résidence, de façon à ce que chaque caisse soit sur les mêmes résidences, et non pas des résidences différentes qui permettent de frauder. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est des systèmes, même pas de loi. Alors après, la preuve de vie pour les caisses, ça nécessite une modification de l'article qui figure dans les documents, jusqu'à 114.10, quelque chose, tiré 9, c'est quoi ? Voilà, 114.10-2, où il suffit d'ajouter un alinéa qui peut être déposé dans le PLFSS sans aucune difficulté. Par exemple, étudier le coût et les modalités d'une carte vitale qui serait valable 2 ans, ça c'est une mesure qui peut être évaluée assez rapidement. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de la loi, je vous ai cité tout à l'heure, des dispositions européennes de coordination entre les services qui ne nécessitent rien du tout d'autre qu'une volonté de se faire. Les cartes vitales renouvelables tous les 2 ans pour tout le monde ? Mais pourquoi pas ? Non, mais il faut trouver mettre en place un système. Et pour les filières ? Juste par exemple, pour prendre l'exemple du cachet électronique visible, il a été mis en place par le CRUS, donc à l'échelle nationale, en moins de 3 mois. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait faisables et dont les coûts sont maîtrisés. Alors, les problèmes de filières dont vous parlez sont des filières qui ont pénétré nos réseaux et notamment des caisses d'assurance familiale, d'allocation familiale, qui sont très clairement visées et qui ont été identifiées par TRACFIN, le service de renseignement financier. Notamment avec un afflux de gens vivant à la même adresse et virant la totalité des prestations sur des comptes subsidiairement ce réseau auquel je pense en Ukraine, mais pas seulement. C'est aussi des céréales reconnaisseurs de paternité, où là aussi, notre système n'est pas fait pour des gens qui reconnaissent 70 enfants, c'est compliqué. Surtout quand ils le font dans différents endroits, il n'y a pas de centralisation. Alors vous reconnaissez un enfant qui devient français, dont la mère devient parent d'enfant français, tout ça évidemment perçoit tout ce qu'on veut comme prestation, et puis le repère touche la moitié des prestations, et tout va bien. Voilà, donc il y a des circuits organisés comme ça, il y a des circuits, et tous nos services sont en alerte. Le problème, c'est que là encore, la communication ne se fait pas forcément très bien, c'est une lutte contre le but et le blindage, c'est-à-dire que le fraudeur va toujours plus vite que le législateur. Et encore une fois, parfois, ce n'est pas seulement de la législation qu'il faut, c'est aussi simplement un meilleur échange de données. Il faut pouvoir arriver à éviter que des gens connaissent 70 enfants. Ça me semble une évidence. Les entreprises éphémères que je vous ai dit tout à l'heure sont aussi typiquement une Bonjour, Vincent Vanier de l'Agence du Presse Médical. Est-ce que dans votre rapport final, vous avez l'intention de distinguer, comme le font les caisses d'assurance maladie et vieillesse, etc., les fraudes, fautes et abus ? Parce que depuis le début de la France de presse, on parle de fraude, mais fraude au sens large, ça ne regroupe pas toute cette distinction. Hein, une fraude, il y a un élément intentionnel, il y a une volonté de frauder. Il y a beaucoup d'abus, d'indus et de fraudes qui ne sont pas nécessairement la fraude. Donc, je voulais savoir si vous allez faire. Le distinguo dans le rapport final, ce n'est pas exactement la même chose. Et la deuxième question, c'est que vous avez indiqué que vous souhaitiez sortir de tout déclaratif pour tout ce qui est l'obtention des prestations, des droits à prestations. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que ça complexifie énormément le système et que l'on revienne en arrière sur certaines choses qui ont été facilitées ? Est-ce que, aussi implicitement, c'est pas l'aveu que le grand mouvement des caisses qui a été de liquider une grande partie des effectifs et de fermer tout un tas de points physiques et de caisses était finalement pas la bonne chose. Ce que vous dites, évidemment, pour nous, il ne s'agit pas de plus rien avoir de déclaratif. Je crois qu'il faut aussi être raison gardée. Néanmoins, on a des modèles, encore une fois en Belgique notamment, qui est un modèle qui, au niveau social et de la protection sociale, est relativement proche. C'est pour ça que je me permets de faire cette comparaison. Vous avez effectivement une organisation qui permet d'aller puiser des données qui sont fiabilisées, et je pense notamment aux revenus,
qui sont souvent en source d'erreur, hein, et parfois de bonne foi, et souvent de bonne foi d'ailleurs. Quand vous prenez telle ou telle prime, mais pas telle ou telle prime, quand vous faites une différence entre brut et le net, etc. Tout ça, si vous avez des circuits entre votre déclaration d'imposition et les revenus qui sont communiqués aux organismes sociaux, ça facilite quand même la vie aussi aux administrés eux-mêmes. Il ne s'agit pas forcément d'aller sur le tout automatique, le tout déclaratif, néanmoins automatiser et partager effectivement un certain nombre de données comme la résidence, où finalement la notion de résidence est variable d'un organisme à l'autre selon la déclaration que vous faites, ça pose un vrai problème puisque vous ajustez votre déclaration selon la prestation que vous souhaitez pouvoir percevoir. Et donc là aussi, c'est un problème de rapport au droit, mais c'est aussi un problème pour nous de gestion de l'argent public et au-delà de la moralité qu'il peut y avoir derrière. Donc le tout déclaratif me semble être peut-être un excès un peu ambitieux, mais effectivement, mais en tout cas, aller vers une réduction de ce déclaratif permettra encore une fois de lutter contre les erreurs de bonne foi, que nous évoquerons mais très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet, encore une fois, de notre mission. Hein, nous sommes dans le cadre d'une fraude, donc elle est intentionnelle. Pour autant, nous faisons du lien avec certains abus de droit, et nous les évoquons comme tels, puisque nous nous positionnons dans le cadre de la fraude, donc nous faisons le distinguo. Ce que nous ne considérons bien sûr pas comme de la fraude, puisque le cadre le permet, mais parfois des abus de droit. Je ne sais pas si tu veux aller plus loin sur ces abus de droit, mais oui, bien sûr, on évoque ce sujet. On évoque le sujet, mais vous voyez par exemple le rapprochement du numéro social et du numéro fiscal, notamment pour ce qui concerne les conditions de ressources d'un certain nombre de prestations, ne semble pas une chose totalement aberrante. Voilà. Donc c'est ce genre de choses-là où, notamment avec la déclaration centralisé, on peut finalement améliorer un certain nombre de dispositifs. Donc on a cet objectif d'abord d'avoir un état des lieux assez éclectique, je vous l'accorde, mais relativement complet. Et ensuite, maintenant, par étapes pour le mois qui reste, les deux mois qui restent, on va faire le chiffrage, affiner, refaire des propositions, mais on a déjà quand même beaucoup avancé en termes de transparence et d'identification. Parce que c'est quand même un sujet extrêmement vaste. Si vous regardez le code de la sécurité sociale, l'excellent droit de la sécurité sociale du moins excellent Jean-Jacques Dupérou, qui fait 4000 pages ou à peu près, il y a 3 pages et demie sur la fraude. Donc si vous voulez, la culture de la fraude en termes de fraude sociale est quand même un tabou. C'est quand même une chose qui est nouvelle et sur laquelle moi je crois qu'il faut soutenir à la fois l'action du gouvernement dans sa démarche, mais aussi soutenir la Cour des comptes dans ses propositions et donner une vitalité nouvelle à cet élément essentiel de notre tissu social. C'est extrêmement important. Donc, oui, on répond à toutes ces questions-là. Je prends une dernière question et si vous me permettez, on conclura après celle-ci. Marie-Foult, du PCR du médecin, une question. Plutôt une précision, tout à l'heure, vous avez évoqué la fraude dans le milieu médical et hospitalier, qui représenterait, donc ça représenterait 80% de la fraude et 30% des fraudeurs. Je voudrais être sûre d'avoir bien entendu, d'avoir bien compris. C'est ça que. Enfin, en gros, vous avez dit que la fraude médicale et dans le milieu hospitalier, ça représentait 80% de la fraude. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, et qu'il y a derrière, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, la fraude qui est réalisée par des professionnels de santé, hein, évidemment, on ne cible pas l'ensemble de la profession des professionnels, mais que dans la fraude qui est constatée dans la partie soins, 80% du montant de la fraude est réalisé par des professionnels de santé qui donc ont tendance à frauder des montants qui sont importants et avec des fraudes que nous a rapportées, hein, et que d'ailleurs les organismes sociaux eux-mêmes nous ont rapportées, qui sont très étonnantes. Enfin, si je prends l'exemple du remboursement du trajet ASCII fait par un médecin dans la région rémoise, c'est pas très loin de chez moi, je vous assure que même dans le Nord-Est, on ne se déplace pas à ASCII quand on est médecin. Voilà. Donc on a vraiment des mécanismes de fraude qui sont qui chiffrent très vite en fait par les professionnels de santé, même si en nombre ils sont moins importants,
extrêmement important et il y a un vrai enjeu qui pour nous est à poser, évidemment, à équilibrer dans le débat. Je crois qu'on est extrêmement précautionneuse là-dessus. On cible certains professionnels qui utilisent certains leviers pour pouvoir frauder et il nous faut, à notre avis, pouvoir lutter contre ces mécanismes. Et les 30%, c'est quoi du coup? Parce qu'on a les deux chiffres, 80%, donc 80% de la fraude en santé est liée aux professionnels. C'est 30% du nombre de fraudeurs et 80% du montant de la fraude. C'est très simple, c'est un médecin qui va dans un EHPAD, qui va faire 40 consultations et qui compte 40 déplacements. C'est extrêmement courant. Mais pour vous dire, c'est pas. Bon. Donc là, d'abord, on peut entendre ordre et on les entend très prochainement et on a des mécanismes très lourds de sanctions, le système est ainsi fait, mais c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur la fraude du système du secteur médical. Merci beaucoup à tous pour votre... Non, c'était juste que je voulais juste revenir sur quelque chose à vous parler des sanctions, etc. Vous n'avez pas trop abordé la question des responsabilités des administrations dans leur propre... ce qui m'apparaît un peu quand même déchéant d'un point de vue financier, etc. Parce que c'est vraiment... Le portrait est assez apocalyptique. Est-ce que vous avez l'intention de faire, d'inclure des sanctions à l'égard des responsables administratifs qui auraient laissé passer ça? Parce que par exemple, quand vous disiez que la personne qui vous avait envoyé un mail... qui indique qu'il y a 3,1 millions de santé en France, la fesse en sciée, c'est quasiment de la faute professionnelle, en fait, de ne pas remarquer ça soi-même. Mais ça fait l'objet d'un autre débat. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans la note qui nous est proposée, on a des dispositions pénales, notamment pour distraction d'argent public, etc., dont on pourrait tout à fait imaginer qu'à un moment ou à un autre, sur X ou sur Y, en tous les cas, il faut séparer l'ordonnateur et le comptable, et en tous les cas, le contrôle. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci. Moi, je suis de la retraite.